Bonjour, je m'appelle Lorraine Prière, je suis pianiste. J'ai pris la direction de l'École préparatoire de musique de l'UQAM il y a 3 ans. Et j'y ai amené l'idée de faire un festival concours, c'est-à-dire amener les jeunes dans un même endroit et leur permettre d'explorer le track, explorer la scène, jouer devant un jury. Et voilà, c'est la 3e année cette année. Ça n'a pas d'autre but que de préparer les jeunes à justement aller vers d'autres compétitions, qui seraient soit des compétitions régionales, provinciales ou même éventuellement internationales, si on veut. Le concours, c'est divisé en catégories. Il y a des catégories qui commencent par débutants et on avance dans l'âge. Tous les étudiants partent avec un certificat de participation, les commandeurs du jury qui sont là pour justement leur parler de comment ils pourraient faire pour justement apprivoiser le track, comment favoriser peut-être la mémorisation des œuvres. Ce sont des petits artistes et on se donne comme but de penser qu'un jour on va les reconnaître comme artistes professionnels. On les encadre. Mais on peut être très fiers de l'école, c'est ce que je me dis par le niveau du concours. Bonjour, je m'appelle Angelo Carucci, je suis pianiste. J'ai 13 ans, puis aujourd'hui j'ai participé au festival concours Marcel Cornet à l'École préparatoire de musique de l'UQAM. J'ai vraiment aimé, là, je trouve que c'est une bonne expérience à vivre. Les juges te donnent des commentaires sur ce que tu as joué. Puis là, tu sais c'est quoi les points que tu dois améliorer. Fait que je trouve que c'est bon parce que ça t'aide beaucoup. Puis quand on reçoit des médailles ou même quand on participe et on reçoit le diplôme de participation, ça nous encourage à continuer. Ça t'aide à rêver, là, puis ça donne des buts dans la vie.